nous ce que nous faisons au pays. Non, mais, non. Il y a les gens, les autorités qui sont là. Je sais que dans le micro, Moro. Moi, tout ce qui est là, les autorités du Sénégal sont là. Il y a des gens qui sont venus. Ils vont monter tout à l'heure. Madame la ministre est là, ils vont monter tout à l'heure pour venir te saluer. Applaudissez pour grand s'il vous plaît, Aya Zaya. Mais voilà, avant que les autorités ne viennent, parce qu'ils auraient calendrier un loup comme ça, mais ils sont là depuis, je vais demander à tes deux femmes de venir. Parce que grand-père a deux femmes. Elles vont venir, d'ailleurs, les fois, vous partir s'asseoir et puis maintenant, les autorités vont venir. Je vais vous demander d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Grand-père est venu pour les femmes, il a deux femmes, mais aujourd'hui, les femmes font son choix. Le ministère de la culture et du patrimoine, réfléchi par M. le ministre.
ministre de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal, qui a bien voulu recevoir en audience le très très grand prix à Dakar, raison pour laquelle il avait une suite favorable à ce que le Sénégal soit présent. Malheureusement pour mon conflit dans le mandat, il m'a dépêché en tant que chef de délégation, accompagné par M. Ansou Alassane, directeur général du Grand Théâtre, ainsi que M. Guillaume Darbou, administrateur général du Forum de la du célèbre monument de la Renaissance africaine. Également, nous sommes accompagnés par Son Excellence, M. l'ambassadeur du général, du président de la République, Amissal, Son Excellence LHK. Mesdames et Messieurs, au nom du professeur Enso, au nom du gouvernement sénégalais et au nom de M. le président de la République, nous tenons à témoigner des liens fraternels qui lient la Guinée et le Sénégal, car je vous l'affirme, chers frères et sœurs, je ne me suis jamais senti aussi bien en Guinée. Nous avons été accueillis avec tous les honneurs, nous avons été accueillis avec la paix en Guinée. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être en paix Guinée. Nous sommes fiers aujourd'hui de représenter la République du Sénégal pour cette célébration d'un homme qui s'est investi pour l'Afrique, qui s'est investi pour le monde, qui s'est investi pour les plus démunis. Je veux nommer Grand Prix. Ce matin, lors de la conférence de presse, j'ai signifié que sûrement le pays de Grand Prix signifie panafricain. Peut signifier également un pont qui brise les barrières entre nos deux nations. Mais ce soir également, je viens de te dire que le père de Grand Père signifie également polygame. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, au nom du professeur Alisson, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, nous remettons symboliquement à cet endroit 2 millions de Français. Merci. Merci, Jean Leboeuf, merci du fond du cœur que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci d'être resté aussi longtemps. Merci, merci, Dieu vous bénisse. À la suite de la délégation sénégalaise.